train de transformer ce parquet, d'abord de lui redonner une deuxième vie. Une deuxième vie parce qu'il va être complètement relooké, mais pas complètement relooké comme d'habitude on repeint un parking. Là aujourd'hui on voit il est tout blanc, mais il est tout blanc pour ensuite accueillir des œuvres d'artistes d'art contemporain, de street art, et qui vont recouvrir les murs et les plafonds, les piliers de tout ce parking. Il n'y aura que le sol sur lequel il n'y aura pas d'intervention. Et donc ça va le transformer en un musée, mais ce musée, on va pouvoir circuler en voiture dedans et on va pouvoir continuer à se garer. C'est, je crois, unique au monde. Et ce sont des artistes internationaux qui viennent pour faire cette œuvre et vont faire chacun une œuvre entre mi et fin mai. Et il y en a qui viennent d'Amérique du Sud, il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent d'Espagne. Donc ce sont vraiment des artistes de grand renom qui exposent ou qui font des œuvres dans le monde entier, à New York, à Tokyo, partout. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux pour Saint-Gervais. Comment est née cette idée? L'idée, elle est née d'un collectif de jeunes d'ici qui, il y a 2 ans, m'ont demandé de pouvoir faire une œuvre éphémère au Fayet sur des bâtiments qui sont voués à la destruction et qui appartiennent à un particulier. Et de là est partie une idée, c'était, là on a plus affaire à du tag, à de la destruction, on a affaire réellement à des œuvres. Et ensuite, eh bien, je leur ai demandé s'ils pouvaient relever le défi de reproduire une ancienne photo, une photo du début du XXe siècle, qui est la photo du premier atterrissage d'un avion au col du Dôme, sous le Mont-Blanc. Et ils ont fait ça à merveille. Et là, ils m'ont proposé de faire quelques niveaux du parking. Et moi, je leur ai dit, si on fait quelques niveaux, pourquoi pas faire tous les niveaux du parking? Et c'est de là qu'est née cette idée, avec une envie de voir ces expressions différentes, parce que ce ne sera pas une seule œuvre, il y aura 13 œuvres dans ce parking. L'envie aussi, c'est qu'on puisse regrouper autour de ce projet beaucoup de gens. Alors là, derrière moi, eh bien, ce sont les bénévoles du club de natation qui peignent la couche que l'on met avant que les œuvres vont se réaliser. Et puis, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour trouver des mécènes et pour réunir donc tout l'argent nécessaire au travers du mécénat pour financer cette opération. Et ça, c'est aussi une très très belle chose que des entreprises aient accepté de nous suivre sur ce projet.